Mon petit Padawan, je te propose de me suivre aujourd'hui dans une séance de boxe anglaise au sac de frappe. On va se faire 5 rounds. Je te conseille de te faire un petit échauffement articulaire pour commencer. Si tu sens que tu as besoin, une petite montée en température aussi. Mais de toute façon, le premier round sera un round d'échauffement. Il ne reste plus qu'à s'équiper et s'y mettre. Allez, premier round, donc un round d'échauffement. On va juste faire des petites frappes légères sans déplier complètement ses bras. Mais avec un gros volume, ça veut dire qu'on s'arrête très peu. Allez, on est parti. Donc, on ne cherche pas du tout l'impact, d'accord? Je ne dois pas entendre de bruit sur ton sac. Par contre, voilà, je peux bouger aussi un petit peu, mais je vais essayer de maintenir un bon rythme pendant tout le round. Voilà. Pas besoin de trop déplier ses bras. Là, c'est volontairement des frappes à courte distance pour l'échauffement. Ok, donc... faut vraiment prendre ça comme un échauffement. Tu peux placer aussi des esquives pour commencer à échauffer ton dos. Recruter les abdominaux aussi. On respire, tranquille. Hop. Tu peux t'arrêter un petit peu par moment, hein, mais l'idée, c'est de tout de suite reprendre et d'avoir beaucoup de volume. On s'en fout hein, si c'est pas des vrais coups de poing. On est sur un échauffement. C'est intéressant aussi de travailler comme ça, parce qu'on apprend la maîtrise, à placer ses coups, à être léger, fluide. Maîtriser, même s'il y a des moments où on a envie d'envoyer plus de force, hop, tu peux inclure des blocages. Allez, on maintient son rythme. On souffle bien. Il nous reste 45 secondes. Allez, on tient. Et on récupère. On a 1 minute de récupération. Donc là, je vais en profiter pour t'expliquer techniquement ce qu'on va faire sur le prochain round. Ce sera notre premier round de travail. Et c'est pas parce que c'est un round de travail qu'il faut absolument tout donner tout de suite. Ça dépend de ton objectif. Si l'objectif, c'est le développement technique, faut pas aller dans la fatigue. Si ton objectif, c'est le cardio, c'est peut-être pas forcément le type de séance le plus approprié pour le cardio. Parce que faut bien maîtriser ces enchaînements pour pouvoir se donner suffisamment à fond pour faire du cardio. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur ce premier round? On va travailler en séquentiel. Numéro 1, ce sera le jab. Numéro 2, je vais venir faire un blocage ici, à l'ancienne, donc façon Tyson, Frazier, Holyfield, Foreman. Donc, blocage avec une sorte de garde en croix. Je peux soit mettre les deux bras, soit en mettre un seul. Ensuite, un crochet. Comme ceci, ok? Et de là, après, je vais mettre un barrage. Donc, on commence. Numéro 1, on fait le jab. Ouh. Numéro 2, je fais un jab plus le blocage du bras arrière. Ouh. Oum. Numéro 3, je vais rentrer en crochet du bras avant, juste après mon blocage. Oh. Oh. Oum. Et numéro 4, je vais venir mettre mon bras avant en barrage, juste après avoir donné mon crochet. 4. Oh. Oh. Oum. Oum. Et je recommence. On refait une fois le 4. 4. Oh. Oum. 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 Et on recommence 1.
2 avec le blocage. Oh, 3, on met le crochet. Oh, oh, on bouge un peu. 4, on met le barrage. Oh, oh, et on refait le 4. 4. Oh, on recommence. 1. 2, le blocage. Oh, je lève bien mon coude, je cache ma tête derrière mon coude et mon avant-bras. Et je peux avoir l'autre main ici pour protéger les uppercuts. 3, le crochet. Hop, bam. Et 4, le barrage. Hop, hop, bam. En pression, je pousse ici pour mettre de la pression, essayer de bloquer la garde de mon adversaire. Et encore 4. Hop, boum. On recommence. 1, bam. 2, hop, bam. Hop là, je suis allé trop loin. 3, hop, bam. Voilà. 4, hop, hop, 4, hop, hop, 1, 1, 2, 3, hop, bam. Je fais quasiment comme un gazelle punch sur mon crochet. 4, hop, hop, 4, hop, 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 déplace. 1, pam. Tombe pas sur ses frappes. 2, pam, pam. 3, hop, pam. 4, hop, pam. 4, hop, pam. 1, pam. Allez. 2, hop, pam. 3, hop, pam. 4, et 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, et on souffle. Ok. Une minute de récupération pour que on puisse se reposer un peu et surtout que je te puisse aussi t'expliquer la suite. Donc, là on a fait un travail séquentiel en 4 étapes. Le numéro 4, donc le complet, va devenir le numéro 1. Ça veut dire que sur ce prochain round, quand je vais te dire 1, tu vas faire le jab, le blocage, le crochet et le barrage. En numéro 2, on va venir ajouter un crochet du bras arrière et en numéro 3, un uppercut au corps du bras avant. Ok, donc on sera sur 3 temps, sauf que le premier va être beaucoup plus long et on va procéder comme ça pour pas arriver à des comptes avec 5, 6 ou 7. Donc à chaque fois, on refait deux fois le dernier compte. Donc là, on a 3 étapes, on fera deux fois la troisième étape pour que tu puisses bien l'intégrer pour le prochain round aussi. Allez, on commence. Donc 1, hop, hop. Numéro 2, je vais mettre un crochet du bras arrière après mon barrage. 2, hop, hop, hop. Je retire mon crochet quand j'envoie mon... Je retire mon barrage quand j'envoie mon crochet. Et numéro 3, je mets mon crochet du bras avant au corps. Ou un uppercut du bras avant au corps, comme tu veux. 3, hop, 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 Moi, je vais être plutôt en uppercut. J'aime bien les uppercuts au corps. Et on refait une fois le 3. 3, hop, 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 oh. Ok. On recommence. 1, hop, hop. 2, hop, hop, hop. Et 3, hop, 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 hop. 3, hop, 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 hop. 1, hop, hop, hop. 2, hop, 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 et 3, hop, 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 et on recommence le 3. Hop, 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 et 1, hop, hop.
2, hop, 1, hop, et... Trois, hop, 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 et... Trois, hop, 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 et... Un, hop, hop, et... Allez, deux, hop, hop, et, hop, et... Trois... Hop, 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 hé! Trois, hop, 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 hé! Et un, hop, hop, hé! Allez, 30 secondes. Deux, hop, hop, hé, hop, hé! Trois, hop, hop, hé, hop, hé! 3, hop, hop, hé, hop, hé. 1, hop, hé. 2, hop, hé, hop, hé. Et 3, hop, hé, hop, hé, hé. On récupère, ok. Boire un petit coup, ça va faire du bien. Donc... Ça commence à se compliquer. Numéro 1, c'est ce qu'on faisait en 3 sur le round précédent. Donc ton numéro 1, ça devient jab, blocage, crochet, barrage, crochet arrière, uppercut au corps. Ensuite, numéro 2, tu remontes en crochet du même bras. Numéro 3, tu vas revenir et faire rotative. Et rotative, on fait deux rotatives en une seule étape. D'accord? Donc, de ton crochet, tu reviens. Et là, tu fais une rotative vers l'intérieur, puis une vers l'extérieur. Ok? Comme ça, ça t'entraîne aussi à être mobile au niveau du buste, au niveau du tronc, après avoir attaqué. Allez, on va voir si tu as suivi. Numéro 1. Oh, 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 oh. Numéro 2, je remonte en crochet. Oh, oh. Et du même bras. Et numéro 3, je fais deux rotatives, deux U, de l'intérieur vers l'extérieur. 3, hop, et, hop, et, hop, et je refais le 3. 3, hop, et, hop, hop, et on recommence. 1, hop, et, hop, 2, hop, hé, hop, hop, hé, hop, hé. 3, hop, hé, hop, hop, hé, hop, hé. Hum, hum. 3, hop, hé, hop, hop, hé, hop, hé, hé, hé. 1, hop, hé, hop. Deux, hop, hé, hop, hop, hé, hop, hé. Trois, hop, hé, hop, hop, hé, hop, hé. Trois, hop, hé, hop, hé, hop, hé. Un, hop, hé, hop. Deux, hop, hé, hop, hé, hop, hé. Trois, hop, hé, hop, hé, hop, hé. Trois, hop, hé, hop, hé, hop, hé. Un, hop, hé, hop, hé. Eh ben écoute, j'ai dit que c'était pas cardio. C'est quand même cardio. 2. Hé, hum. Hé, hé. Après, je peux frapper moins fort si je veux moduler. 3.
hein. Hey, hey. 3. Hey, hum. Hey, hey. 1. Hey, hum. Hey. 2. Hey, hum. Hey, hey. Et on récupère. Ah, écoute, je sais pas toi, mais moi je vais boire un coup. Ah. Allez, il nous reste un round. Donc, tu l'auras sans doute deviné, le 1 devient le 3 du round précédent. Donc sur le 1, on va faire jab, blocage, crochet, barrage, crochet arrière, uppercut au corps, crochet à la tête, deux rotatives. De là, je suis du côté de ma jambe avant. Je remets un crochet et j'avance ici ma jambe arrière. Lame pour envoyer un uppercut de l'arrière. Donc on rajoute deux temps. On sera en trois temps à nouveau. Un temps pour le crochet du bras avant. Un temps pour l'uppercut du bras arrière. Sachant que le numéro 1 est déjà bien long. Allez. T'es prêt? 1. Ouais. 2. On va mettre un crochet avant. 2. Hop. Et 3, un petit pas de la jambe arrière, en pivotant, on envoie sa hanche sur l'uppercut. 3, l'uppercut peut venir monter au menton ou rentrer au corps, soit dans l'axe, soit un peu sur le côté pour aller chercher les côtes. Et on refait le 3. Ok. Et 1, Ouh. 2, Trois, Trois, Un, Deux, Trois, Et 3. Allez. On lâche pas. 1. Un peu, on s'arrête jamais d'un coup, récupère un petit peu, le temps que ça redescende. Écoute, moi ça m'a bien sollicité le cardio, je le sens bien aussi dans mon bras avant, mon épaule, c'est du boulot, ça travaille bien, j'espère que toi aussi t'as kiffé. Je te retrouve tout de suite pour un petit débrief et te poser une question.
Alors mon petit Padawan, déjà, première question, est-ce que tu as kiffé ou pas cette séance? Moi j'ai kiffé, j'ai transpiré, j'ai challengé ma coordination, j'ai pris du plaisir, c'est tout ce que je veux. Maintenant, une deuxième question, si tu as déjà fait certaines de mes vidéos ou si tu suis mes programmes en ligne, tu auras peut-être remarqué que ça c'est une version différente aujourd'hui de ce que je t'ai proposé, du travail séquentiel. C'est une nouvelle version qui pour moi est améliorée, mais ça c'est mon point de vue et j'aimerais bien avoir ton point de vue. Si tu as déjà vu ce que je faisais avant ou si même si c'est la première fois, comment était ton ressenti? Est-ce que tu as eu des difficultés à suivre techniquement? Est-ce que j'ai fait une mise en place comme ça pour avoir moins d'étapes et pas se retrouver à faire des 7, 8, 9 ou 10 étapes? Donc réduire à chaque fois. L'idée, c'est de travailler sur un round en plusieurs étapes et comme tu l'as compris, le round suivant, toutes les étapes deviennent le numéro 1 et on vient ajouter à ça. Je trouve qu'en plus, ça permet de solliciter quand même un peu plus son cardio parce que on fait tout le temps des enchaînements longs. Dès le deuxième round, ça commence à être assez long, donc il y a un volume de coups plus important. C'est bon pour l'endurance musculaire, c'est bon pour le cardio aussi. Et juste ma question, c'est plus sur le plan technique. Est-ce que tu as réussi à suivre ou est-ce que tu étais complètement paumé? Est-ce que ça allait trop vite de faire tout le numéro 1 qui était celui, le complet, on va dire, du round précédent, c'est pas facile à expliquer. Ou est-ce que c'était top et t'as kiffé et voilà, cette nouvelle version du travail séquentiel, tu la valides à fond ou pas? Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.